Nicolas, nous sommes ce matin ici avec Zivorak Slavinsky, Professor Pitt. Hi Zivorak, we are now this morning with you, Zivorak Slavinsky. Zivorak, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Could you tell us your professional journey? The history of my work. Yes. Uh-huh. Well, I'm been in this stuff for 50 years, I guess. So it was one of my systems develops to something next after. So it's one sequence of one part or another. So this paired stuff is one of the latest. Donc ça fait 50 ans que je développe mon travail et Pitt c'est vraiment la fin de ce développement, c'est une part de mon travail. Okay. Est-ce qu'il peut nous parler de la méthode Pitt? C'est quoi le principe de cette méthode si puissante? Could you tell us about Pitt? What is the principle of this very powerful method? Yes, it is. Its principle, it's the crown of my work and many other systems developed from it. Donc c'est la couronne de mon travail et beaucoup de mon travail découle de ça. And can you tell us about the principle of that? What is principles? The principle? Oh, there are a couple of them, which are only principles of my whole system of spiritual technology. We work with the polarities, because the whole of this universe and human being are polar in their nature. Donc, il y a deux principes. Le premier, c'est qu'on travaille avec les polarités, parce que dans ce monde, tout fonctionne sous forme de polarité. And we don't go only after the positive side of things and states. Yeah. We go to both of them and integrate them. You are free from their grab. Donc, on ne va pas seulement s'occuper de l'aspect positif ou seulement du négatif. On va s'occuper des deux pour qu'ils s'intègrent et qu'on puisse être délivré de leur emprise. Et comment peut affecter cette polarité à une personne? How can these polarities affect someone? They affect everybody. See. The whole human beings, all whole humanity, because what makes problem are polarities which are pulling us to opposite states, for example, to have, not to have, health and sickness, happiness and unhappiness, and it is... Donc ça affecte tout le monde, ça affecte chaque être humain, et ça nous sépare à l'intérieur, hein, que ce soit entre avoir ou ne pas avoir, entre le bonheur ou le malheur. And you must really integrate two polar things which seem to be opposite, which are not. They are, as a matter of fact, they are just two parts of the same thing. And when you integrate them, you are able to, you are free to express either one side or other. Donc, ça semble être deux choses qui sont opposées, mais en fait, quand on les intègre, on voit que c'est juste deux faces de la même chose. Et quand on les a intégrées, on peut choisir entre l'un ou l'autre. On est libre par rapport à l'un et l'autre. Et je les donne un exemple, une polarité qui est très commune, par exemple l'amour et la liberté. Est-ce que il peut nous parler, par exemple, de ce type de polarité, comment les gens sont avant et après de travailler avec Pitt par rapport à cet exemple? So a very common polarity is love and freedom. And can you tell us about how are the people before processing with Pitt when they have these polarities and how they are after that? Well, before they are unconsciously and compulsively pushed to one polarity, then to other, and first, second, all time playing that compulsive and conscious game. After integration of this polarity, love and freedom, a person is able to express either one or other as they, her or his own will, and what person gets is freedom. Donc avant de traiter avec Pitt, ils sont compulsivement poussés à être dans l'un ou dans l'autre, et puis de nouveau dans l'un et dans l'autre. Tandis qu'après avoir fait le traitement avec Pitt, eh bien, ils peuvent librement choisir l'un ou l'autre. D'accord. Quelque chose que je trouve très intéressant de Pitt, c'est qu'à ma connaissance, c'est le seul système qui contient les autres et aussi le futur.
Donc, il peut nous parler un peu de ces deux aspects, s'il vous plaît. What I think is very interesting in PEAT is, as far as I know, it's the only system that integrates others and the future. Can you tell us about that? Yes, yes, of course, because if you don't put the future under control, something is lacking to a stable solution to the problem, because if some charge is on the future, it will renew problem after some time, sooner or later. So if you want to have complete stable result, you must put the future under control as well. Donc, à propos du futur, c'est important de stabiliser le futur, parce que si vous ne le faites pas, il reste une charge sur le futur qui fait que le problème pourrait revenir. Et donc, c'est vraiment important de stabiliser en travaillant sur le futur et en enlevant la charge de ce côté-là. Et par rapport aux autres? And about the others in the process? Others, circular processing? Yes, but in a person's subjective universe, there are many points of which he himself created, points of view. For example, if you have bad relationship with your brother, there is some charge also on brother's position which you created, as a matter of fact. So you must, after cleaning yourself, you must go to brother's position and clean from that position to the rest of the charge. Donc, dans notre univers subjectif, nous créons aussi des points de vue qui sont ceux des autres, mais qui sont en fait notre propre charge sur leur point de vue. Donc, après avoir travaillé sur nous-mêmes, par exemple dans un problème par rapport à quelqu'un qui a un problème avec son frère, il doit travailler d'abord sur lui-même et puis il doit aller traiter la charge qu'il met dans le point de vue de son frère. Ok. Et autre chose, j'ai l'impression que PEAT, c'est plus qu'un système de résolution de traumas ou de blocages, c'est vraiment un système d'éveil. Il peut aussi, c'est l'impression que j'ai dans mon corps 2 jours après de commencer la formation. So I have the impression that PEAT is not only a system that can dissolve blocks or trauma, it's also a system which is about awakening, about enlightenment. It's the feeling I have in my body. Can you talk about that? Yes. It is a system which is not only psychotherapy, it's at the same time it's a system of spiritual development, and people applying PEAT process are not the same after a couple of months or a couple of years, they are completely changed. Donc c'est vrai que PEAT n'est pas seulement une méthode de psychothérapie, c'est aussi quelque chose qui permet le développement spirituel, et c'est vrai que les gens après un certain temps, après quelques mois d'utilisation de PEAT, ils ont vraiment changé. Et autre chose, c'est que c'est un système sans souffrance. On n'a pas besoin de vivre le traumatisme à nouveau, comme dans d'autres systèmes qui sont très efficaces. On n'a même pas besoin de raconter son problème, que ça marche. Another thing is that it's a system without suffering. You don't have to relive the trauma. And there are other systems that are very powerful, but here you even don't have really to talk about your problem, to process it. That's true. There is no much suffering during processing, because it's like, to compare with other cathartic methods, they have like breaking ice in a very unpleasant moment. And here you have situations that like ice being in hot water, so it's dissolving very slowly. What was the other part of the problem? You don't have to talk about it. Yes, a client is not obliged to speak about problem if it is problem is embarrassing, for example, rape, instances like. The person knows what problem is, so we can work so-called blind process without asking person what the problem is. Donc, à propos de la souffrance, c'est vrai qu'on n'a pas besoin, comme dans d'autres systèmes où on est vraiment, on doit avoir vivre des moments difficiles pour traiter ça. Ici, c'est comme si la souffrance se dissout tout simplement sans avoir besoin de vivre quelque chose de pénible. Et à propos de quoi la deuxième partie, oui, on n'a pas besoin effectivement de raconter longuement le problème, par exemple pour un viol. On peut simplement donner quelque chose de général et on n'a pas besoin de raconter tout pour traiter le problème. D'accord. Et justement, pour quel type de traumatisme PEAT peut être utilisé? With
which kind of trauma can you use, please? You can use any kind of trauma, any kind of spiritual, emotional or psychological problem. But I have also method which I developed from Pete, which is so-called fingertip method. And that way you resolve any trauma in half a minute or 1 minute. Donc ça peut être utilisé avec tout, que ce soit émotionnel, psychologique ou spirituel. Et il y a aussi la méthode que j'appelle la méthode fingertip du bout du doigt. Et c'est une méthode qui permet de dissoudre n'importe quel trauma en à peu près une minute. Et les problèmes physiques sont aussi... And what about physical ailments? Physical problems ask for not one session, which I use for almost all emotional and psychological problems. They need a couple of them, and they resolve physical ailments pretty well, but you must work a little bit longer, I say 5-6 sessions. Donc, alors que sur les problèmes émotionnels, souvent une session suffit. Pour les problèmes physiques, il faut s'attendre à travailler sur plus de sessions, typiquement 5 ou 6 sessions, 5 ou 6 séances, mais ça marche assez bien. Ok. Et je sais qu'il n'a pas beaucoup de temps, donc je le libérerai, mais avant, je voudrais le remercier pour avoir créé cette méthode, je ne sais pas, sacrée. J'ai envie de l'appeler comme ça, je suis bluffée pour ce que j'apprends. Je voudrais le remercier. I know you don't have much time, but before releasing you, I want to tell you to thank you for this method, which is really for me a sacred method, and I want to thank you for that. Okay, welcome. Au revoir, Sibrat, et à bientôt. Okay. Okay, good.